Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cet nouvel épisode de La pêche à la mouche en direct avec Vincent Delisle. Donc, pour ceux qui en sont à leur première, ben, la présentation est faite rapidos. Vincent Delisle, je suis instructeur de pêche à la mouche, cofondateur de l'école de pêche à la mouche Spirit. Ce soir, je reçois comme invité M. Marc Auger et nous allons parler de la pêche à la wananiche au lac Saint-Jean. Donc, attachez votre tuque, ça va être le fun. On va parler du saumon d'eau douce et d'un milieu de pêche, comme vous pouvez le voir derrière, là, exceptionnel et surtout d'un organisme qui a su innover et faire un super de beau travail pour justement soutenir durablement la pêche de ce merveilleux poisson. Donc, vous le savez, hein, pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, parce que j'ai dit notre 9e épisode, mais nous en sommes à notre 2e saison. Donc, les épisodes sont faits aussi en collaboration, d'abord, bien sûr, avec simplement plein air. Vous le savez, ou sinon, je vous l'apprends. Je suis chroniqueur pêche à la mouche pour l'émission radio Simplement plein air. Simplement plein air, c'est une émission pour les passionnés du plein air. Donc, vous y aurez de tout comme sujet, que ce soit bien sûr pêche, que ce soit la pêche régulière, la pêche à la mouche, que ce soit la chasse des différents gibiers, que ce soit la cueillette, que ce soit la botanique, que ce soit les randonnées, que ce soit même la cuisson de vos plusieurs différentes recettes et de ce que vous allez chercher en forêt. Et bien sûr, quad, VTT, nommez-le tant que ça se passe dehors. C'est un sujet qui est abordé avec Simplement plein air. Et ne manquez pas, maintenant, tous les vendredis, Simplement plein air aussi sont en live directement sur leur chaîne YouTube. Oui, je parle de YouTube. Effectivement, ce soir, ben, on est live sur Spirit, donc sur Facebook. On est live sur YouTube, sur notre chaîne Spirit, aussi sur YouTube. C'est là que vous allez avoir la meilleure qualité audio et la meilleure qualité vidéo. Si vous avez une TV intelligente, ben, let's go, allez en profiter parce que vous allez pouvoir vous installer dans le salon, sur le pouf, avec ce que vous voulez pour boire, grignoter, puis de toute façon, puis oublier un peu le petit rappel que l'hiver nous fait. Ensuite, bien sûr, on a aussi en participation, en collaboration, le groupe Les accompagnateurs de pêche au saumon. Donc, nous sommes aussi en direct sur ce groupe-là. Vous voulez débuter la pêche au saumon? C'est un groupe merveilleux à découvrir avec autant des personnes d'expérience que plusieurs débutants. Le groupe est sur le point d'atteindre assurément, là, d'ici peu de temps, près de 2 800 personnes et aussi leur projet est. Leur mission principale, c'est justement d'accompagner les personnes qui veulent y aller pour leur première fois. Donc, allez poser vos questions. Il y a des accompagnateurs un peu partout au Québec. Ils sont là pour vous aider à découvrir et à faire finalement la quête de Salmo Salar. Et pour ceux qui commencent à connaître Spirit aussi, vous le savez, pour nous, la pêche à la mouche, c'est aussi un outil d'intervention, c'est un outil de reconnexion à soi-même, à notre communauté puis à la nature. Puis dans ce cadre-là, on a établi aussi un partenariat avec l'organisme Soignez nos braves par la mouche qui nous permet aussi de diffuser en live chez eux. Donc, ça fait pas mal le tour de nos partenaires. Et je vais déjà prendre le temps de dire salut à plusieurs d'entre vous qui vous êtes joints à nous ce soir. Donc, on a Robert Lecour, Benoît Vézina, Danny Bédard, William Lecour, William Lacroix, Simon Couture. Hey, Basse! Ça fait longtemps que t'as pas été dans les parages. C'est super le fun que tu sois avec nous autres. Razim, salut mon Razim. Content vraiment de te voir aussi avec nous. Nicolas Taché. Donc, bonsoir tout le monde. Attachez votre tuque parce qu'on s'en va au pays des bleuets parler de la pêche à la wananiche. Ah, et Marc Prince avec nous aussi sur YouTube. Super! Branco, hey, bonsoir Branco. Content que tu sois avec nous autres aussi. Donc, je vais arrêter de. On va continuer un peu pour donner la chance d'aller rejoindre Marc. Il me reste une toute petite chose avant d'aller rejoindre notre invité.
Vous découvrez ce soir nos lives. Ou vous ne l'avez pas encore fait, puis je ne vous en veux pas, là. Mais si vous les découvrez ce soir, ben, c'est le temps. C'est le temps de vous abonner. C'est le temps de recevoir les alertes. Donc, si vous êtes sur votre cellulaire, ben, c'est quelque part en bas que ça finit par apparaître tout à l'heure. Il n'y est peut-être plus si vous êtes avec nous depuis un certain temps, mais vous aviez vraiment déjà un petit bandeau qui est apparu, recevoir toutes les notifications de direct. Ensuite, la même chose, juste au-dessus, la cloche, c'est la même chose, c'est notre occasion. Et juste à côté de la cloche, là, une espèce de classeur avec un crochet, là, ben ça, là, c'est l'abonnement à la page Facebook de Spirit. Donc, puis bien sûr, hein, je vous invite dans la publication, je ne suis pas dans le champ, moi, j'ai bien tagué aussi la corporation, l'activité pêche Lac-Saint-Jean. Vous, je vous inviterai aussi à aller vous abonner à leur page. Et maintenant, sans attendre, roulement de tambour, il va vraiment falloir un jour que j'aille chercher un peu d'effet sonore. Mais pour ce soir, on s'en va rejoindre notre invité, M. Mark Archer. Merci, Marc, de ta patience, mais surtout, merci de te joindre à nous ce soir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Il neige-tu bien gros par chez vous présentement? Il n'y a pas de neige, mais il fait froid comme en hiver. Hey, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Hey! Ouais. L'ouverture s'en vient pour la tweet. Mais on ne lâche pas. L'hiver s'en vient derrière nous. On pourra aller s'occuper de notre santé mentale à l'extérieur. Si vous ne l'avez pas déjà commencé, très bientôt. Je m'excuse, il y a eu un petit glitch. Hey, Marc! Avant là, de tomber dans le vif du sujet, là, si on prenait quelques minutes pour apprendre à connaître l'homme qui se joint à nous ce soir. C'est qui, Mark Archer? Qu'est-ce qu'il fait? Depuis combien de temps il a pogné le virus aussi de la pêche à la mouche? Bon, d'abord, j'ai 66 ans. Je suis biologiste de profession. J'ai travaillé 16 ans au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme biologiste occasionnel. J'ai jamais réussi à obtenir de permanence. Et je suis à la Corporation de l'activité pêche de Lac-Saint-Jean depuis 1996. C'est notre 25e année cette année. Alors, j'ai 40 ans de métier dans le corps et j'ai commencé à pêcher la Wananiche à l'âge de 4 ans. Avec mon père qui était membre d'un club de chasse et pêche à l'époque sur les Monts-Valin. Et à cette époque-là, ben, on pêchait avec des cannes en bambou qui coûtaient 15 $. OK. Maintenant, tu vas acheter une canne en bambou, elle va t'en coûter 3 000, 3 500. Attends un peu, là. Je regardais un autre écran. Je veux juste être certain que mes oreilles n'ont pas vrillé quand tu m'as dit ça, là. Tu pêchais avec une canne de bambou. À cette époque-là, il y a 60 ans, une canne en bambou, on était capable d'avoir des cannes en bambou. Ben, c'est tout ce qu'il y avait. De toute façon, les cannes en fibre de verre, ils ne se faisaient pas encore. Fait qu'on avait des cannes en bambou pour 15 $. Wow! OK. OK. Ben, évidemment, ce n'était pas des cannes en bambou haut de gamme, là, comme celles qui se vendent à 3-4 000, là, mais c'est tout ce qui existait, hein, à l'époque. Les cannes en mouchon en fibre de verre n'existaient même pas. Oui, j'avoue. 66 ans, on ne traitera quand même pas de dinosaure. Tu n'as pas encore 70, fait que c'est correct. Tandis que maintenant, ben, on parle de cannes en carbone, en bois rond, tout ce que tu voudras. Là, ah, regarde. Ben, en bois rond, on déborde en un bois peu rond. En bois rond, il y en a déjà bois eu. Rond, ouais. Il y en a oui, déjà ah, ben eu. Oui, ouais. Ça c'est avant les cannes en bambou, ça. Ça serait un autre sujet. J'ai déjà vu une canne avec le pied en bois puis la pointe en métal. Mais là regarde, on ne s'éternisera pas beaucoup plus longtemps sur cette déviation parce que je sais que nos auditeurs sont ici pour entendre parler de Wananiche. Il y a déjà eu une petite question comme ça. Benoît Vizina qui me demandait quelle date l'ouverture? Ben, la date de l'ouverture pour la truite au Québec, présentement, c'est à ma fête cette année, le vendredi 23 avril. Je pourrais pas y aller. Je vais essayer de me reprendre dimanche prochain si j'ai assez d'air lousse parce que je donne un cours samedi. Fait que,
Puis maman est dans le gros rush de fin de session. Fait que pas sûr que j'ai crédit pour y aller en fin de semaine. Ça va peut-être falloir que j'attende qu'il y ait la garderie la semaine prochaine. Hey, Marc, si, qu'est-ce que t'en penses avant qu'on se lance dans le vif du sujet là, de la corpo et compagnie, qu'on les laisse saliver un peu en écoutant un petit vidéo que Wildcat a fait pour vous. Quand est-ce à peu près? Il y a deux ou trois ans. OK. Fait que, attachez votre truc. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent Wildcat, vous connaissez la qualité des vidéos qu'ils peuvent nous faire. Donc, je vous demande, retenez, en écoutant la vidéo, il y a combien de rivières sur lesquelles on peut aller pêcher quand on va pêcher la Wananish avec l'activité pêche? Prenez le temps d'écouter ça. On se revoit dans 4 minutes et des poussières.
Et on est de retour. Sérieux, ça fait. Oh. J'ai eu un petit signal qui me disait que. Ok, non, c'est bon. Excusez, j'ai eu un message qui me disait que le micro ne fonctionnait pas, mais finalement, ça rentre quand même. Si jamais il y a un problème de son ou quoi que ce soit, vous vous oubliez pas. Puis cette semaine, je me suis organisé. Vous pouvez m'écrire de partout. Partout. En perso, sur Spirit. Toutes mes feeds sont ouvertes, fait que je les manquerai pas les avis s'il y a un bug. Donc, Marc, excuse-moi. Sérieux, ça donne juste le goût de venir chez vous, ça, cette vidéo-là? C'est comme ça que ça se passe à propos de ça, Hey, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en arrière de tout ça, puis en arrière des résultats que vous obtenez présentement là, dans les dernières années, là. On prendra le temps de parler de ces sujets-là aussi un peu plus tard. Je sais que tout le monde a hâte de nous entendre parler des conseils pour venir pêcher chez vous. Mais je commencerai peut-être à te laisser parler d'une anecdote, là. Cette année, ce ne sera pas possible de parler de cette anecdote-là parce que on vient presque de battre un record au lac Saint-Jean, là, par rapport au lac. Mais l'ouverture, normalement, comment ça se passait par chez vous dans ta jeunesse pour l'ouverture de la voie de la niche? Écoute, fin des années 70, début des années 80, la pêche à la Wananiche au lac Saint-Jean ouvrait à la même date que la pêche de l'Omble d'Orfontaine au Québec. Donc, on parle du quatrième vendredi d'avril, c'est ça? Bon, et en général, en moyenne, le lac Saint-Jean se libère de ses glaces autour du 12-15 mai. Cette année, s'il le fait le 16. Ouais, cette année, le 16 avril, c'est à 2 jours du record du 14 avril de 1945, OK? Mais normalement, le lac se libère de ses glaces autour de la mi-mai. Et à l'époque, la pêche ouvrait quoi, le 22, le 23, le 24 avril? Et bien sûr, à cette époque-là, les pêcheurs, les gros bateaux de pêche, là, comme on voit de nos jours, là, les 17, 18, 20 pieds avec des 115, des 150, des 200 forces, on voyait pas ça à l'époque, là. On avait toutes des petites chaloupettes de 14 pieds avec des 7 forces et demi, puis des 9,9 puis des 5 forces. Fait que là, on embarquait les chaloupes sur les racks des pick-up. Puis, il y avait deux endroits où on pouvait pêcher, là, où il y avait des ouvertures dans la glace à cette date-là. Il y avait l'embouchure de la rivière Métabetchouane à Desbiens. Et il y avait Val-Jalbert, qui était à mi-chemin entre Chambord et Roberval. Là, c'était des ouvertures de quoi? Peut-être 1 km là, à travers la glace. Fait que là, on débarquait nos chaloupes et on les glissait sur la glace. On les poussait sur la glace jusqu'à l'eau. Et là, on embarquait dans ces chaloupes-là. Puis là, on pêchait là, 100, 150, 200 chaloupes dans ces Dans un trou d'eau. eaux-là. Ouais. Et la pêche était terriblement bonne, hein? Ah. En plus, on avait le droit à l'époque de pêcher au menet vivant ou mort. Fait que, tu sais, c'est. Mais maintenant, de nos jours, on ne peut plus faire ça parce que y a 2 raisons finalement. D'abord, les gens ont tous des gros bateaux, ou à peu près. Et le lac Saint-Jean, c'est un lac réservoir. Quand on arrive fin mars, début avril, il est à son plus bas. Et là, il commence à remonter tranquillement. Et mettons que si on voulait, mettons, réouvrir aussitôt qu'à l'époque, ben d'un, le lac n'est pas calé, puis de deux, le niveau du lac n'est pas assez élevé pour que les rames de mise à l'eau soient opérationnelles. Fait que là, grosso modo, là, le plus tôt qu'on peut ouvrir, là, mettons de façon concrète, là, où c'est possible d'opérer, là, c'est autour de la mi-mai. Cette année, ça va ouvrir le 14 mai, par exemple. OK, donc ben, on arrive dans le crunchy, effectivement. Puis avant, hey, gang, je me suis fait une liste de questions, là. Je pense qu'on serait capable de faire 2 heures, mais l'objectif, c'est 1 heure, vous le savez. Mais c'est vous qui pouvez prendre le contrôle de l'émission. Fait que vous ne vous gênez pas pour nous écrire vos questions. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. On va essayer aussi non plus de ne pas couper une explication, là. On va vraiment y aller une à la suite de l'autre. Donc, vous ne vous gênez pas et surtout, première chose que je veux prendre là, pour le moment, là, on est plus de 50 présentement en ligne ce soir là, pour ce live-là. Donc, je tiens à vous remercier.
Sincèrement, je suis touché de l'intérêt que vous portez au live que je vous propose ce soir. Encore une fois, le meilleur moyen de supporter autant nos organismes ici comme l'activité pêche, autant bien sûr votre humble serviteur et son école, c'est de dire à Facebook que vous appréciez ça. Et c'est comment que vous pouvez le faire? En vous abonnant, en partageant, en donnant des pouces, donnant du rire. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, faites-nous le savoir. On va essayer de se réajuster. Mais normalement, là, c'est plus tranquille, cool que de faire monter la pression du monde. Quoique des fois, il y a certains sujets qui la font monter. Donc, vous ne vous gênez pas. Puis surtout, on ne peut plus être en salle, on ne peut plus être en personne. Donc, on n'entend plus d'applaudissements, on ne vous entend plus parler. Vous ne vous gênez pas. Si vous, il y a quelque chose qui vous fait rire, que vous aimez au bout, pas besoin de juste faire un pouce. Les lives, Facebook aime ça quand tout le monde abuse des petites icônes. Fait que vous aimez quelque chose, vous pouvez abuser 7, 8, 9, 10 fois. C'est comme si vous étiez en train de nous applaudir et c'est une façon de nous dire que les choses vont bien. Donc, excuse-moi, Marc, j'ai coupé un petit peu. Et la première question nous vient de Francis Chiasson via le groupe Les Accompagnateurs de Saumon. Quelle grosseur de canne utilisez-vous pour pêcher la Wananish? Qu'est-ce que tu recommandes pour venir pêcher les rivières chez vous? 9 pieds numéro 6. 9 pieds numéro 6? Parce que plus puissant que ça, tu n'as pas le plaisir que tu peux avoir. Tu sais, c'est quand même pas des saumons, là. C'est des poissons qui pèsent en moyenne 3, 4, 5 livres. Ça arrive qu'on capture quelques bêtes là, qui approchent les 10 livres, là. Mais règle générale, le poids de ces poissons-là joue autour de 3, 4, 5 livres. Fait que, évidemment, là, une canne de 9 pieds numéro 6, c'est amplement suffisant. Par contre, quand on va sur des grandes rivières, comme entre autres la Haute à Chamouchouane, où là, on peut être exposé à des bons vents, des vents vraiment puissants, on conseille à ce moment-là notre clientèle de traîner une deuxième canne numéro 7 ou 8 pour être capable de combattre le vent qui, des fois, là, est vraiment assez fort en haut. Là. Ben, les vents. Règle générale, on pêche du 6, 9 pieds. 6, 9 pieds. Ben, tant qu'à être dans l'équipement, on sait que pour pêcher le saumon sur plusieurs de nos rivières, il y a certains équipements qui sont interdits. Donc, quand je parle d'équipements qui sont interdits, certains types de soies, certains types de mouches, de votre côté, qu'est-ce qu'il en est? En fait, le seul équipement qui est interdit ici, ce sont les mouches lestées, de quelque façon que ce soit. OK? Corps en plomb, cône-aide, tube en aluminium ou en cuivre. Ou, les mouches tubes sur plastique sont acceptées. Mais tout ce qui est lesté d'une façon ou d'une autre, c'est interdit. Okay. Par contre, les soies flottantes à bout calant, les soies calantes, les leaders calants, c'est autorisé. Oh, les soies calantes et les leaders calants sont autorisés. Oui. OK, donc ça, c'est déjà une bonne différence parce que même les soies calantes comme telles, la plupart des rivières à saumon ne l'acceptent pas. Les bouts calants, les pointes calantes ou les leaders calants, il y a une acceptation assez présente. Je ne dirais pas pour toutes, là, mais pour plusieurs. Mais dans votre cas, c'est quelque chose qui est possible. Ben, j'avoue que Sauf que Vincent, il y a très, très peu de pêcheurs. Là. C'est vraiment marginal, une proportion marginale, qui utilisent des soies entièrement calantes. Tu sais comment c'est plate à lancer? Wow! C'est le fun à lancer, voyons. On s'arrache le bras à pêcher avec ça, tu sais, on n'a pas de plaisir. Ça prend un peu de pratique et un peu de technique, effectivement. Tandis qu'une bonne soie flottante avec un bon bout calant là, de 10 pieds, 13 pieds, 15 pieds, là, t'sais, une soie de qualité, là, ben regarde, ça fonctionne, ça. Là. Parfait. Hey, ben, on a devancé quelqu'un, ça tombe bien. Francis, c'était pour demander cet élément-là. Good, super. Les mouches comme telles, est-ce que vous acceptez les hameçons doubles? Oui, les mouches à saumon, oui, oui. On accepte aussi ce qu'on appelle les gros streamers, les tandems, là. Oui, OK. Mais les tandems, les grosses mouches ne sont pas nécessairement les plus productives chez nous, là. Ben, c'est vers là que je m'en allais. La prochaine question, bien sûr, Benoît Vézina qui nous demande,
Ben, ici, même pas. Ils ne demandent pas quels sont les meilleurs. Ils demandent d'abord, puis après ça, on pourrait dire qu'est-ce que tu recommandes pour les autres. Mais toi, de ton côté, quand tu pêches tes magnifiques tributaires, c'est quoi ta mouche fétiche? Ta ou tes Ah mouches ben fétiches? c'est la mienne, puis je la garde pour moi, celle-là. Ah Hey, ouais, c'est cheap shot, ça, là. ma mouche fétiche, c'est ma mouche à moi, je la garde pour moi. Hey, on est rendu à une Désolé. autre époque, là. Les boîtes, là, elles restent ouvertes. Non, 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 désolé, désolé. Mais qu'est-ce que tu Et recommanderais? les mouches qui sont, je te dirais que les deux mouches les plus productives ici, là, c'est aussi les plus utilisées, évidemment, là. Ça ne veut pas dire que d'autres mouches ne peuvent pas être productives, hein. Tu sais comment ça fonctionne? Des fois, il suffit de t'envoyer de quoi, tu balances de quoi que le poisson n'a pas vu de l'été, et puis ça fait la différence. Mais les mouches Ouais. qui produisent beaucoup, il y a les woolly buggers de toutes les couleurs, hein. Tu sais, des woolly buggers, il y en a toutes sortes de variantes, là. Des noires, des violettes, des olives, des brunes, etc. Puis, il y a évidemment la fameuse modeleur minnow qui peut se décliner dans toutes les grosseurs, dans toutes les couleurs, avec du marabout, pas de marabout, des ailes en lanière de lapin ou pas. T'sais. Ça, c'est les mouches qui sont, je te dirais, les plus utilisées. Plus un paquet de streamers à truite ou à Wadanish, là, c'est à peu près la même chose. T'sais, Mickey Finn, Gringos, même Fremagog Svelte, etc. Que je comprends la différence de son lointain cousin de l'Atlantique, la Wananish, donc le saumon, l'Enlock Salmon en anglais et le saumon d'eau douce, bien sûr, il se nourrit, lui, en période de frais. Il se nourrit quand Pas ça tant monte que en ça. rivière, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais c'est, je dirais que c'est peut-être. La différence est peut-être qu'il est plus agressif, il est plus facile à capturer que le saumon. D'accord. D'ailleurs, les succès de pêche moyens qu'on enregistre le démontrent, là. C'est bon an, mal an, notre succès de pêche moyen là, joue entre 0,5 et une Wananiche par jour pêcheur. Ça, c'est on compte pas ce qui se perd, là, parce qu'évidemment, il s'en perd toujours plus que ce qui s'en ramène au bord, là. Mais tu sais, une bonne saison, le succès de pêche moyen tourne autour d'une Wananiche par jour pêcheur. Puis les moins bonnes saisons, ça tourne autour de 0,5 Wananiche par jour pêcheur. Là, Fait que c'est quand même, t'as quand même des bonnes chances de te connecter, comme on dit, là. oui, puis on parlera pas. On n'a pas. Ça, c'est une journée d'exception de ce que je vais parler là. Mais j'ai eu une dame qui, comme cliente l'année passée, ben, j'ai partagé une cliente finalement l'année passée avec Joanie de la Sablonnière qui était venue faire un atelier, faire une activité chez vous. Et son groupe de filles, la journée qu'ils sont allés pêcher, ils ont fait une journée record, là. Ouais. Une journée Ben, rare. ils en ont perdu un méchant tas, là, mais c'est ça. Ils ont fait une journée record, au niveau de ce qui s'est pris au bout de la ligne, là, tu sais. En tout cas, moi, ma cliente me dit que c'était sa première sortie de pêche à la mouche officielle. Et elle a fait son quota de Wananish, qui est. C'est quoi le quota maximum chez vous? Puis comment est-ce qu'on le calcule? Parce qu'il y a une différence chez vous, là, c'est pas juste. Oui, c'est Je te ça. laisse t'expliquer. Ici, là, on a deux limites, OK? On a une limite de capture parce que, puis on a une limite de prise, OK? On a une limite de capture parce que, dans certaines fosses, si tu frappes une bonne journée, tu n'as pas de limite de capture, les pêcheurs vont peut-être piquer 10, 12, 15, 20 wananiches dans la journée. Là, tu en blesses bien trop pour rien, de un, puis de deux, ben, c'est pas plaisant pour les pêcheurs qui viennent le lendemain. Alors, nous autres, tu sais, moi, j'ai déjà vu 19 Wananiches, là. Avant qu'on instaure une limite de capture, j'ai déjà vu un pêcheur 19 Wananiches dans une journée, là. Bon, il a beau les remettre à l'eau, là, on s'entend que là, rendu là, il y a un problème d'éthique, OK? Fait que, nous autres, on a instauré une limite de capture maximale qui est de 3 Wananiches. Et la limite de prise est également de 3 Wananiches, sauf dans la rivière Métabetchouane qui abrite des poissons de taille trophée, où là, la limite de prise est de une seule Wananiche. Et on a établi cette limite de prise-là à la demande même de la clientèle. C'est rare qu'on voit ça, là. Tu sais, c'est rare que tu vois
ta clientèle, les pêcheurs, venir te dire « Hey, on trouve que dans cette rivière-là, là, 3, c'est trop. Là. C'est des poissons trophées qui peuvent approcher des fois les 10 livres. Donc, on voudrait que vous diminuiez la limite de prise à une. » C'est ce qu'on a fait. Fait que là, dès l'instant où tu as, tu sais, les poissons que tu les gardes ou que tu les remettes à l'eau, dès l'instant où tu as capturé et ramené au bord, toi, Wananish, ou que tu en as gardé une sur la Métabetchouane, ta pêche est finie. OK. Intéressant. Il y a quelques questions qui sont rentrées. Oui. Ben, t'as répondu à l'une d'entre elles. La remise à l'eau est-elle obligatoire? Non. Je pense qu'on pourrait s'avancer un petit peu plus aussi pour l'expliquer pourquoi est-ce que la remise à l'eau n'est pas obligatoire présentement au niveau de vos différentes rivières. Si tu peux nous parler un peu de la population de Wananish présentement, comment qu'elle se porte? Bon, ben d'abord, nous autres, on a lancé le produit Pêche à la mouche dans les tributaires du lac Saint-Jean en 2008. OK? Et depuis 2008, il y a eu des saisons où la limite de prise était de une, de deux. Tu sais, la limite de prise, on l'ajuste en fonction de l'abondance de la ressource. Alors, si la ressource est très abondante, présentement, on est à trois. Si la ressource est moyennement abondante, on peut être à deux ou une. Puis, si vraiment la ressource est peu abondante, bien là, c'est remise obligatoire à l'eau de toutes les captures. C'est déjà arrivé. Maintenant, depuis quelques années, nous, on a aménagé durant l'hiver 2017 25 frayères artificielles pour les perlans dans le lac Saint-Jean. Parce qu'ici, le principal facteur limitant la production de Wananish, c'est la production des perlans dans le lac. Il n'y a pas de petits ruisseaux ou de petites rivières accessibles à l'éperlan que l'éperlan utilise pour se reproduire, alors qu'on sait très bien que c'est le milieu de reproduction typique de l'éperlan. Donc, l'éperlan ici se reproduit sur des hauts fonds de sable dans le lac Saint-Jean. Et une fois qu'on a eu découvert le secteur où l'éperlan se reproduisait naturellement sur du sable fin, on a décidé d'aménager des grosses galettes là, de roches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs d'éperlan, c'est aussi, c'est adhésif. Et le succès de la reproduction est bien meilleur quand les œufs adhèrent à des roches qu'à des minuscules grains de sable qui sont balayés par les crues des grandes rivières comme la Péribonka et la Mistassini. Donc, on a aménagé ça durant l'hiver 2017 et l'an passé, en 2020, on a enregistré au lac Saint-Jean la meilleure saison de pêche à la Wananish depuis 25 ans. Ouais, ben, c'est une chose qui vous distingue, puis en fait, c'est probablement que vous risquez de mettre à la limite d'inspirer d'autres projets qui pour favoriser, mener l'approche durable. Tu sais, on a souvent les discussions, ben, non, pas souvent, mais ça amène une belle discussion dans le sens entre qu'est-ce qui est le plus important? Faire de l'ensemencement pour permettre de soutenir la pression de pêche ou des fois de faire un peu plus attention à ce qui permet à la ressource tant désirée de se porter en santé? Ben regarde, Vincent, l'ensemencement, là, on l'a essayé, je te dirais, pendant une dizaine d'années, là, de 1990 à 2000 environ, on a participé à un programme d'ensemencement massif de tacons dans les tributaires du lac Saint-Jean à raison de contrats fermes de 250 000 $ par année. Et on a aggravé le problème plutôt que d'améliorer la situation parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que le facteur limitant, tu sais, le lac Saint-Jean, c'est à 1000 km² et quand il fait beau, là, tu ne vois pas l'autre bord. Fait que là, on ne pouvait pas s'imaginer que l'éperlan pouvait être un facteur limitant. Alors, plus on en rajoutait, pire c'était. Puis on a fini par... De l'éperlan ou de la Wananish, là? Parce que là, tu viens de parler de Des ensemencements dans les rivières. Okay. Plus on en mettait, pire c'était. Plus la réglementation était restrictive pour laisser monter davantage de reproducteurs dans les rivières, pire, c'était aussi. Fait qu'on a fini par découvrir, puis tout à fait par hasard, hein, soit dit en passant, là, ça a été une découverte tout à fait fortuite. En 2003. Une découverte fortuite? Oui, fortuite. Vraiment, là, on ne cherchait pas à découvrir ça, on cherchait à comprendre ce qui se passait, parce qu'au début des années 2000, on a eu un crash ici de Wananish et d'Éperlan. Sans mentir, on a passé tout
On a passé proche tout perdre. OK? OK. Vraiment. Fait que, en essayant de comprendre ce qui se passait, on a découvert tout à fait fortuitement que, il y avait un facteur limitant, un gros facteur limitant qui était la production des perlans. Et qu'en raison de ça, il y avait un cycle d'abondance prédateur-poids entre la Wananiche et les perlans, un peu comparable au cycle du lynx et du lièvre, qui s'étendait, mettons, d'un pic d'abondance à un autre pic, d'un creux à un autre creux, d'à peu près 9-10 ans. Okay. Et on est même remonté dans les journaux de l'époque, sur presque 100 ans, pour s'apercevoir que même à cette époque-là, même il y a 100 ans, il y avait déjà ce genre de cycle-là. Puis, tu sais comment ça marche, les médias, à l'époque, quand ça allait bien, tu ne trouves rien dans les journaux. Mais quand ça allait mal, là, tu voyais de quoi dans les journaux de l'époque? Puis là, ben, tu voyais ça à peu près, tu sais, aux 8-9 ans, là, tu sais, là. Fait que finalement, ça n'a pas trop changé les médias entre aujourd'hui puis hier. Non, c'est ça. Fait que là, quand on a eu découvert ça, bon, d'abord, c'était un changement complet de paradigme, là. Parce que là, tu sais, là, ça voulait dire, laisse-en pas trop monter des reproducteurs dans les rivières, parce que si tu laisses monter trop de reproducteurs, tu vas le payer cher 3-4 ans plus tard quand les samonaux vont descendre au lac. Ça m'amène à une autre question, là, vraiment pointue. Gang, vous me direz si je pousse trop, là, mais j'ai une grosse curiosité. C'est. Là, je m'adresse aux biologistes. Là. Tu dis qu'il aurait fallu restreindre là, le nombre d'adultes, mais quand on lit dans les livres d'histoire, là, quand on nous enseigne l'histoire du Québec, qu'on nous enseigne l'histoire du Canada et compagnie, on parle d'une terre d'abondance quand nos ancêtres sont arrivés. Là. Tout à l'heure, tu vas nous parler probablement un peu du nombre d'adultes qui montent là, d'un côté ou de l'autre parce que vous avez deux rivières témoins là, sur lesquelles vous avez vraiment des passes migratoires là, qui vous permettent de calculer là, exactement le nombre de poissons qui remontent. Mais entre ce qu'aujourd'hui, on est capable... Non, pas ce qu'on est capable. Entre ce qu'aujourd'hui, l'écosystème du lac Saint-Jean permet de soutenir versus... ce que le lac Saint-Jean pourrait soutenir s'il n'y avait pas eu toutes les modifications humaines d'un bord ou l'autre? Est-ce qu'on est capable d'estimer un peu de quoi est-ce que ça pourrait avoir l'air, la population? Écoute, non, là, mais c'est incomparable. C'est incomparable. Parce que, d'abord, il faut savoir que le lac Saint-Jean, avant que le lac soit régularisé en 1926, par les premières centrales d'Alcan, là, de Rio Tinto maintenant. Le lac, il y avait ici une immense plaine d'inondations printanières comparable un peu à la plaine du lac Saint-Pierre. Donc, ça faisait la richesse du lac, d'une part. Puis d'autre part, il y avait deux rivières très, 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 très productives pour la reproduction de la Wananiche, qui était la rivière Péribonka. Ouais, tasse-toi vers la droite, là. Ouais, Péribonka, OK. Bon, ben là, cette rivière-là, maintenant, il y a 4 centrales hydroélectriques dessus. C'est plus une rivière, c'est une série de réservoirs. Et ça, c'était la principale rivière pour la fraye de la Wananiche à l'époque. Et il y avait également la grande décharge qui est assortie du lac. Si tu veux nous montrer ça, là. Ouais, là, oui. Ici. Ça, c'est la grande décharge, OK? Mais là, la grande décharge, à l'époque, là, ça n'avait pas cette allure-là. Il y avait 110 îles au travers de ça. 110? 110 îles. Parce que l'eau, maintenant, est beaucoup plus élevée. Le niveau est beaucoup plus élevé. Il est maintenu beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Je pense qu'on est capable de compter rapidement. Ouais. Fait que, tu sais, à ce moment-là, la grande décharge, c'était toute une série de pools, de fosses, de petites chutes, de petits rapides, de cascades, de seuil, etc., au point où un Américain à l'époque, là, Horace Jensen Beamer, qui a construit le fameux hôtel Beamer ou le fameux château Roberval à Roberval, qui à l'époque était le plus gros hôtel au Canada, lui traversait ses clients l'autre bord du lac à partir de Roberval sur des bateaux à vapeur pour aller pêcher dans grande décharge dans les canaux d'écorce guidés par des montagnettes pointe bleue. Bon, mais tu sais, ça, écoute, veut, veut pas,
Il y a eu l'industrialisation, il y a eu la colonisation, tu sais, tout ça, l'industrie du bois, l'aluminium, bon, l'urbanisation, ça fait partie de la game. Okay? Ah, c'est clair. Ce qui est perdu, c'est perdu. Oui, c'est triste, là, mais en même temps, si c'était resté comme c'était à l'époque, ben écoute, il n'y aurait rien que des bûcherons, là, tu sais. Ça ne serait pas développé, là. Pas sûr que qu'il y aurait les populations et les municipalités qu'il y a maintenant. Non, et, c'est certain. Mais tu sais, il reste encore que il y a quoi? Il y a une dizaine ou une douzaine de scientifiques à travers le monde qui, il y a 2-3 ans, se sont réunis, ils ont formé un comité de travail, puis ils ont fait une revue de littérature sur la Wenaniche à travers le monde. Il y a un rapport scientifique qui a émané de ce groupe de travail-là et qui, en fait, la conclusion, c'est que le seul endroit qui abrite encore de nos jours une population importante de Wenaniche sauvages ou indigènes qui s'auto-perpétue par elle-même, c'est le lac Saint-Jean. Il existe encore des bonnes populations de Wenaniche. Je donne exemple, le Memphrémagog, le lac Champlain, le lac Mouzette dans le Maine, mais ce sont tous des lacs qui sont où la pêche est soutenue totalement ou en partie par des ensemencements. Les plus grands lacs à Wenaniche qui existaient là, à l'époque, là, il y a de cela peut-être quoi, un siècle, tu avais le lac Ontario, il n'y a pratiquement plus de Wenaniche là-dedans, et tu avais des grands lacs là, dans les pays scandinaves, le lac Vänern en Suède, quelques grands lacs en Russie, où les populations sont pratiquement disparues, sont moribondes. Puis le principal facteur, ben, c'est les centrales hydroélectriques sur les tributaires de reproduction. Ben, écoute, l'histoire, tiens, on ne réinventera pas l'histoire. Le ciment puis le saumon, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Non. Ben, le ciment puis les cours d'eau pour ce qui est de la biodiversité des plans d'eau, mais ça, ça pourrait être un débat et un sujet unique, là, celui-là. Là. Tu sais, t'as des espèces, Vincent, qui s'accommodent très bien des lacs réservoirs, comme par exemple le doré, le brochet, le touladi. Mais des espèces migratrices, là, comme le saumon, la wenaniche, ça ne sert à rien, là, ça ne va pas que le saumon, ça va pas que le ciment. OK. Fait que, bref, il reste quand même que le lac Saint-Jean, malgré tout, même si c'est un lac réservoir maintenant, qui a subi quand même d'importantes altérations là, au niveau de l'écosystème, ben, reste quand même de nos jours le plus important lac à Wenaniche indigène du monde. Et en conséquence, la rivière à Chamouchouane est probablement la plus importante rivière à Wenaniche au monde. C'est laquelle, celle-là? La Chamouchouane, ça, c'est celle qui se déverse à Saint-Félicien. OK. Ouais. Celle-là ici. C'est ça. Ouais. Ben justement, là, on parle de rivière, on n'y a même pas encore été. Et on a une question en plus dans ce sens-là. On va aller voir un peu le décor naturel de certains de vos spots de pêche. Et en même temps, je vais t'adresser une question qui nous vient de Réginal Michel, qui demande, est-ce que la Wenaniche monte toujours la même rivière qu'il l'a vu naître, comme le saumon d'Atlantique? C'est pareil, c'est la même chose. Une Wenaniche, là, ça a le même nom latin, c'est un saumon, sauf que c'est un saumon d'eau douce. La seule différence, c'est que comme elle fait sa phase d'engraissement en eau douce plutôt que qu'en mer, ben elle prend 1 livre par année à peu près, alors que le saumon, lui, prend à peu près 5 livres par année. Ça reste. Mais pour le reste, là, écoute, c'est tellement la même espèce qu'il y a quand même encore beaucoup de wenaniches qui dévalent en bas des barrages par les évacuateurs de crues. Et qui se ramassent dans la rivière Saguenay, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent, et qui reviennent sous forme de wenaniches géantes ou de saumons, sont redevenus saumons. Intéressant! Ah, tout à fait. Évidemment, ils ne peuvent pas remonter au lac Saint-Jean, là, parce qu'il y a des barrages, là, OK? Mais dans le Saguenay, là, entre autres à la hauteur de Chicoutimi, Jonquière, disons. On voit des saumons ou des wenaniches redevenus saumons de 15, 16, 17, 18 livres. Je ne sais pas si c'est 5 que je te pose la question en ligne. Tu peux carrément me dire, Vince, ça fait partie des spots, ferme ta gueule.
On les trouve. Non, non, pas du tout. Ben là, ils sont tu sais, ils sont carrément dans la rivière Saguenay, là, quelques kilomètres en aval de la centrale de Chipcha. Mais c'est un endroit qui est assez dangereux à naviguer, là. OK. Okay. Tu sais, parce que là, tu es dans les rapides, il n'y a pas gros d'eau. Puis quand je dis rapide, là, tu es dans la rivière Saguenay, là. Saguenay, là, c'est un fjord, ça, là. Oui. Là, tu as des gros rapides, tu as des roches, tu as des comptes courants. Fait que, tu sais, c'est pas évident non plus pêcher là. OK, correct. Un gars curieux. Donc, là, je pense que tu dois connaître les secteurs par le petit nom parce qu'il y a certaines des photos que tu m'avais envoyées que j'avais pas de nom de secteur comme tel qui allait avec. Oui. Ouais. La photo qu'on a ici, c'est où? Bon, ça, ce sont les chutes de la Chaudière qui sont situées dans la rivière à Chamouchouane, à peu près à 80 km du lac Saint-Jean. C'est la limite naturelle de la Wananiche dans cette rivière-là. C'est pas un endroit où on pêche présentement parce que, évidemment, là, on se trouve être comme dans le territoire ancestral des Inuits de Mastoyache. Et pour exploiter ce secteur-là, ben, il faut évidemment obtenir leur accord. Et on n'obtient pas toujours les accords qu'on souhaiterait obtenir. Hein. Oui, on pêche dans la haute à Chamouchouane, mais dans un tronçon qui est situé un peu en aval de cet endroit-là. Là. OK. On a Michel Masson qui pose une petite question ici. Tout à l'heure, quand on a parlé des limites de capture et puis des limites de possession, en tout cas, qui revient un peu à la même chose pour une journée, est-ce que ces limites pour la journée sont aussi les limites de possession? Ou est-ce qu'on peut pas avoir plus que 3 wananiches à la maison? Bon, la limite de capture, là, cette limite-là s'applique à tous les jours. C'est-à-dire que si tu pêches une rivière une journée, tu as le droit d'en capturer 3. Okay? Oui. Maximum. Si tu pêches une autre rivière le lendemain, tu as le droit d'en capturer 3 aussi. Mais au total, tu n'as pas le droit d'en avoir plus que 3 à ta possession parce que pour toutes les espèces de poissons, la limite de possession, généralement, est la même que la limite de prise quotidienne. Si on regarde un peu, je ne sais pas si tu es au courant, ailleurs au Québec, il y a peut-être des secteurs où c'est probablement peut-être même juste une. Tu sais, pour ce qui est de la truite mouchetée, il y a des régions où on peut en avoir beaucoup plus puis des régions où on peut en avoir beaucoup moins. Est-ce que le lac Saint-Jean fait partie des régions où la possession est la plus élevée? C'est tout ça? Ben là, je te dirais que présentement, probablement que oui. Là, okay. Parce que là, présentement, on est à une limite de prise quotidienne et de possession de 3. Parce qu'évidemment, la wananiche est très abondante présentement. Je dirais même qu'elle est surabondante, dans le sens que, par exemple, l'an passé, malgré une récolte record de 11 000 wananiches dans le lac, il y en est remonté dans les rivières presque 3 fois trop. Mais 3 fois trop, c'est quoi? C'est quoi? Nous autres, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs opère une passe migratoire dans la Mistassini depuis 1975, tous les ans. Donc, on a 45 ans de données. Là. Les longues séries temporelles de données, il n'y a rien de plus précieux que ça pour gérer, si tu veux, la ressource. Et avec les années, à la longue, à l'usage, on a réussi à établir que le nombre maximum admissible de reproducteurs dans cette rivière-là à ne pas dépasser pour protéger les stocks d'éperlans dans le lac quand les saumonneaux dévalent 3-4 ans plus tard et d'environ 500 en termes d'ordre de grandeur. OK? L'an passé, il en est monté 1400. Malgré une récolte record dans le lac. Fait que là, le problème qu'on a, c'est qu'on manque de pêcheurs sur le lac Saint-Jean pour capturer la ressource qui est là. Parce que ça nous amène à une question qu'Alain Turbide vient de nous envoyer. Mais avant d'aller à Alain Turbide, on a Michel Filiatro qui a répondu à la question que j'ai demandé, là, les quotas dans certaines régions versus d'autres. Il nous dit, regarde, réservoir Kiamika, la possession est de une wananiche. Okay. Ça donne une bonne idée. Et on a Alain Turbide qui pose la question, effectivement, à brûle pour point. C'est quoi comme accessibilité, les réservations? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un guide?
L'hébergement, les forfaits, qu'est-ce qui est disponible? Vous allez faire le saut, gang. Bon, je vais essayer de résumer ça quand même assez rapidement. Juste un portrait global, parce que tous les détails sont sur notre site Internet, dans l'onglet « Pêche à la Wananiche à la mouche ». Nous autres, on exploite présentement 4 rivières, mais 5 sections de rivières, parce qu'il y a des rivières sur lesquelles il y a 2 sections, la basse à Chamouchouane et la haute à Chamouchouane. Donc, on exploite 4 rivières qui sont la Chamouchouane, la Mistassini, la Métabetchouane, la rivière aux Saumons. Et la Chamouchouane est divisée en 2 sections, la basse à Chamouchouane et la haute à Chamouchouane, qui est située, si on veut, dans le parc de Chibougamau, là, pour m'exprimer comme le commun des mortels. Okay? On offre à peu près 1100 perches. J'imagine que tes auditeurs sont familiers avec le terme perche. Une perche, c'est un pêcheur. Il y en a qui ne le sont pas. Une perche, c'est justement le nombre de pêcheurs qui vont être autorisés à aller pêcher là, durant c'est ça. Une perche, c'est un pêcheur pendant une journée. Donc, nous, on offre à peu près 1100 perches par année. C'est tout contingenté. La raison pourquoi tout est contingenté, c'est qu'on a seulement 2 ou 3 bonnes fosses dans nos rivières. C'est comme ça. Ça donne comme ça. Il n'y a pas 50 fosses dans nos rivières, là. Ben, il y a 2-3 fosses par rivière, mais c'est de très bonnes fosses. Peux-tu me permettre de peut-être juste faire un petit ajustement? Il y a 2-3 bonnes fosses par rivière auxquelles vous avez accès. Oui, bien, accès physiquement, accès physiquement et ou légalement. C'est ça. OK? Mais il reste quand même que ce qu'on a en main présentement pour travailler, c'est 2-3 fosses par rivière. Puis, dans la plupart des cas, ces fosses-là sont également des frayères. Ce qui veut dire que la Wananiche s'y accumule durant tout l'été. Plus tu avances dans la saison, plus il y en a. Puis, la Wananiche reste dans la fosse jusqu'à temps qu'elle fraye vers la fin de la 3e semaine d'octobre. Donc, tu as toujours du poisson dans la fosse, tout le temps. Donc, puis tu ne l'as pas dit, mais on va le dire, vous fonctionnez uniquement par tirage. Par tirage au oui, sort. Parce que c'est contingenté à 100%. Donc, on procède par un tirage au sort. Les personnes qui veulent y participer peuvent s'y inscrire en ligne à partir du 1er décembre. Ils ont jusqu'à peu près la mi-février pour s'inscrire. Et là, on fait un tirage au sort. Puis, on vend les perches par paire de 2. OK? Parce que, évidemment, la plupart des pêcheurs viennent avec un ou une partenaire de pêche. Donc, on vend les perches par paire de 2. Puis, les gagnants, entre guillemets, là, les 250 ou 300 premiers qui sortent au tirage au sort, ont le droit de réserver 2 journées de pêche sur 2 rivières différentes. OK, parce que là, je suis en train de dire, il y a un problème dans ton calcul, là. Tu me disais tantôt que tu avais mis... Non, je le sais, je m'emmenais avec une question, là. Tu me disais qu'il y avait à peu près 1100 perches disponibles. Ouais. Qu'il y a 250 gagnants possibles. 250 à 300 personnes. Ben, quand ça. Vient le temps de faire les réservations. Tu sais, quand on fait les appels téléphoniques, là, rendu à 250, 275 appels, ben là, ce qui reste, ça commence à être moins intéressant. Puis là, nous autres, on ne veut pas nécessairement vendre à tout prix. Là. On n'est pas là pour faire de l'argent. Là. Nous autres, on est là pour offrir une bonne qualité de pêche, on veut que la clientèle reparte satisfaite, qu'elle revienne chez nous. On n'est pas là pour vendre des journées de pêche à 100$ où tu vas pêcher sur des roches toute la journée. Okay? Fait que, là, c'est ça. Les gagnants, on les appelle à tour de rôle suivant le rang qu'ils sont sortis au tirage au sort. Et là, tu choisis tes rivières et tes journées selon les disponibilités qui restent sur le calendrier au moment où on t'appelle. OK. Bon, maintenant, pour ce qui est des tarifs, les tarifs, ça joue entre 55$ à 170$ par perche, taxe incluse, tout dépendant de la qualité de pêche de la rivière, mais aussi tout dépendant des services qu'on offre. Parce que il y a, entre autres, il y a 2 rivières, la Métabetchouane et la Haute à Chamouchouane. On est obligé, là, on ne peut pas faire autrement. La physiographie, l'environnement de ces rivières-là fait en sorte qu'il faut accompagner la clientèle pratiquement du matin au soir. OK. Ouais. Donc, il n'y a pas de guide obligatoire, là. Nos employés qui
qui sont des assistants à la protection de la faune, qui travaillent sur ces rivières-là depuis 25 ans de toute façon, accueillent les pêcheurs le matin à des lieux de rendez-vous, à des heures fixées d'avance. On accueille les pêcheurs, on leur remet le droit d'accès, le droit de pêche, on leur rappelle les principales directives, on les accompagne jusqu'aux fosses, on leur explique comment pêcher la fosse, ça a-tu mordu dans les derniers jours, sur quelle mouche, etc. Puis les employés vont repasser à plusieurs reprises dans la journée. Puis à la fin de la journée, le désenregistrement est obligatoire, c'est-à-dire que tu peux pas quitter la rivière sans avoir rencontré un assistant à la protection de la faune, parce que là, nous autres, on veut, t'en as pris, t'en as pas pris, nous autres, on est obligé, en vertu du bail qui nous lie au ministère, d'effectuer un suivi très serré, l'effort de pêche, les succès, les captures, les récoltes, les remises à l'eau, les poids, les longueurs, femelles, mâles, on ramasse des écailles pour l'âge. Okay. Puis il y a deux rivières, entre autres, là, la Métabette et la Haute-Achamouchouane. La Haute-Achamouchouane, entre autres, là, on donne rendez-vous aux pêcheurs à Saint-Félicien le matin. On les embarque dans notre pick-up, dans notre camion, avec le stock. On les amène dans Haute-Achamouchouane, dans le parc de Chibougamo. Et l'employé les accompagne, il les guide du matin au soir. Dans un gros fréteur nord-ouest de 20 pieds, là, à moteur. Et les deux pêcheurs ont une dizaine de kilomètres de rivière à eux autres tout seuls pour la journée. OK. Sais-tu, genre, celle-là, tout à l'heure, je montrais des photos là, pendant que tu discutais. Donc, ici, c'est le trou de la fée Celle-là, c'est le trou de la fée dans la rivière Métabetchouane. Comprends pas pourquoi vous l'avez appelé de main. C'est pas nous autres qui l'a appris de même, là, c'est parce qu'il y a une caverne à cet endroit-là qui abritait des chauves-souris qui s'appelle le trou de la fée. OK, mais je trouve que c'est féerique aussi, là, mais c'est intéressant. Cette caverne-là, là, les conscrits à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale qui ne voulaient pas aller à la guerre se cachaient dans cette caverne-là. C'est de celle-là que tu parlais, là, les grands espaces à 10 km? Voilà. Là, on est sur la haute à Chabouchouane, à l'embouchure de la. Je dirais la fosse la plus réputée, là, qui est l'embouchure de la rivière du Cran, où tout le monde rêve d'aller. OK? Quand tu es rendu là, là, c'est quand même pas si loin que ça, là, de Saint-Félicien. Quand tu es rendu là, c'est comme si tu étais dans une grande rivière du nord du Québec, là, perdu dans le nord du Québec, là, ça à Georges ou n'importe où. Regarde, tu es seul au monde. Puis, à mi-parcours du secteur où on pêche, on a aménagé un gros kiosque à pique-nique. L'autre bord de la rivière, c'est accessible juste par voie d'eau. C'est là qu'on dîne. Puis, il y a le gros barbecue au propane. Il y a tout ce qu'il faut. Si les clients veulent sortir la bouteille de vin puis se faire des steaks, des grillades, n'importe quoi, il y a tout ce qu'il faut là. Et ça, c'est ce voyage-là qui coûte 170 $ par personne, taxes incluses. C'est pas cher pour le service qu'on offre et pour la qualité de pêche qu'il y a là. Non. C'est drôle, j'ai même pas de doute. Là, ici, on a la fosse du Cran Serré sur la Métabetchouane. C'est une des fosses qui peut très bien produire au bomber à Samon, entre autres. Parce qu'on voit le grand ciré, là. Hein? Il y a un grand ciré, là. Fait que le trou de la fée aussi, il y a des bons cirés. La rivière au Saumon aussi, c'est pareil. Il y a des beaux cirés. Puis la Wadaniche prend très bien le bomber, en autant évidemment que ce n'est pas un gros oiseau de 3 pouces. Là. un petit bomber numéro 6 ou numéro 8. Là. Bon, okay. Si tu as une journée où elle est active et qu'elle mord, là, tu peux mettre ça sous l'eau puis tu vas le voir disparaître très rapidement. OK. Hey, j'ai deux autres petites questions. Michel oui. Filiatro. Un des gars de l'équipe, justement, là, des accompagnateurs de saumon, il demande, est-ce que ça existe, les tirages 48 heures chez vous? Non, pas ici. Mais quand, si quelqu'un annule, quelqu'un vous le fait savoir en temps, là, vous faites quoi avec ces places-là qui se libèrent? En fait, les perches qu'on ne réussit pas à vendre là, lors des réservations téléphoniques, parce qu'il y a quand même quelques perches qu'on ne réussit pas à vendre, hein? Évidemment, les débuts ou les fins de saison, ou encore dans la bosse à Chamouchouane qui est productive rien qu'à eau haute.
Et toutes les pêches qui sont annulées en cours de saison, c'est remis en vente sur notre page Facebook au fur et à mesure qu'ils sont rendus disponibles. Donc, fait que là, c'est de là l'intérêt de s'abonner. Premier arrivé, premier servi. C'est okay. ça. Okay. Parce qu'on a essayé de gérer des listes d'attente. On a essayé de gérer ça des 48 heures. Regarde, ça ne se gère pas. Ça ne se gère pas. Ce n'est pas gérable. Là, ici, on est à la chute à Michel, qui est en pleine ville de Saint-Félicien. On n'est pas loin du zoo, soit dit en passant. Et ça, c'est la bosse à Chamouchouane, à eau haute. OK? Puis, elle est bonne à eau haute et moyennement à haute. Là, le pêcheur qui est là, là, il y en a une au bout de la ligne, là. Moi, je le sais, peut-être que ça paraît pas. Mais imaginez-vous, là, vous êtes attelé sur une Wenaniche de 6 salives dans ce courant-là, là. Attelez-vous, vous allez en avoir pour votre argent. Elle te donne une impression d'en peser 25-30. Ouais, puis faites pas d'erreur parce que vous allez payer cher. Ben, justement, c'est une question là, que je t'ai pas posée tantôt par rapport à l'équipement, mais tu vas conseiller des leaders de quelle force pour venir pêcher? Parce que, moi, en tout cas, un spot comme celui-là, là, à eau haute, là, tu pêches pas ça avec du 8 livres test, hein? Nous autres, normalement, là, quand on est dans des débits modérés, on pêche avec 8 livres test. Moi, personnellement, je pêche toujours avec du 8 livres test. Ou même parfois du 6 livres, là, quand les conditions l'exigent, là, tu sais. Bien, c'est sûr que quand on se ramasse en haute comme ça, ou si tu pêches sur certaines fosses, comme dans la Métabetchouane, qui sont à la tête de très violents rapides, parce que la Métabetchouane, là, c'est une rivière où il y a eu un championnat du monde de kayak. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un grand, grand rapide R3, R4, entrecoupé de 3-4 fosses. Et les poissons, souvent, ils sont sur la tête du rapide. Fait que là, quand tu les fais là, il faut que tu sois capable de le tenir puis de l'empêcher de prendre le rapide. Sans ça, il va vider ton moulinet, tu ne pourras pas suivre. Fait que là, on dit aux gens, mettez-vous 10 livres, 12 livres, tu sais. Mais ça, c'est tous des conseils qui sont donnés sur place par notre personnel, qui sont tous rendus des... ce n'est pas des boucheurs experts, mais c'est des aficionados de la pêche à la mouche et de leur rivière, parce que les mêmes employés travaillent toujours sur les mêmes rivières, donc ils connaissent leurs rivières. OK. Tout à l'heure, quand on était sur la fosse de la Fée, on a René Dionne qui disait qu'il s'agissait d'une des fosses qu'il rêvait. Je sais pas. René Dionne, René Dionne, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais jeune. Là. C'était un voisin dans mon quartier. Puis c'est ça, c'est un de nos clients réguliers. Good. Bien, justement, on va continuer à montrer les photos, mais avant d'aller un peu plus loin, puis on va probablement terminer aussi avec les photos aussi. Alain Turbide qui pose une très bonne question, c'est-à-dire, en moyenne, il y a combien d'inscriptions pour le tirage? 500. Donc, une chance sur deux. Ouais, à peu près. Il y a, je dirais, 200, 225, 250 personnes, participants qui restent sur le corps. Est-ce que vous acceptez plus d'une participation par personne? Les participants ont le droit de 10 coupons d'inscription, okay. Un maximum de 10 coupons d'inscription à 7 $ par coupon. Et une fois que le tirage est fait, on garde le meilleur rang de chaque participant. OK. Ils peuvent pas prendre semaine complète au bout de la ligne après ça. Non, ils peuvent pas gagner plus d'une fois. Par okay. contre, ce qui est intéressant, mettons toi, Vincent, là, tu t'inscris, et si tu te lâches, tu vas avoir droit à deux journées de pêche. Mettons que tu invites ta conjointe comme partenaire. Mm-hmm. Mais ta conjointe, elle peut s'inscrire aussi au tirage au sort. Si elle se classe parmi les un bon rang, elle a droit à deux jours, elle aussi. Et là, elle peut t'inviter comme partenaire. Fait que là, ça te fait 4 jours. Ça s'appelle tester un couple. Ouais, c'est ça. Là, ici, on est au pied ici de la 5e chute dans la rivière Mistassini. Ça a l'air, c'est très sauvage comme endroit, mais tu es en pleine ville de Dolbeau-Mistassini. Si tu veux aller manger un hot dog, là, sur l'heure du midi, tu es à 5 minutes. Soit dit en passant, tous nos spots de pêche sont accessibles en voiture. À part celui-là, est-ce que vous venez chercher le monde en pick-up? Ouais. C'est ça. Ça, c'est une vue de la haute à Chamouchouane. Ça, c'est quand on est en train de remonter de la rivière du Cran
vers l'amont, là, où on se met à l'eau le matin. Fait que, tu sais, c'est pas des rapides violents, là. Il y a pas grand danger. Mais, tu sais, vous comprendrez qu'on peut pas... de toute façon, il y a aucun signal qui passe là, cellulaire ou rien, là. Nous autres, on travaille avec des balises spot, hein, au cas où. On a même un deuxième moteur caché dans le bois au cas que, dans la journée, on aurait des problèmes de moteur, parce qu'à un moment donné, il faut que tu remontes à la fin de la journée aussi, là. Ah ouais? Tu sais, c'est quand même 10 km, hein? Fait que vous comprendrez qu'on ne peut pas laisser quelqu'un, là, on ne peut pas lâcher quelqu'un sur la rivière. Alors, on est à l'embouchure de la rivière du Cran dans la brume d'un petit matin de septembre. C'est le spot. Magnifique. Magnifique. Puis, il y a du poisson là, là. Tu sais, quand je parlais tantôt de 1400 Wenaniche dans la rivière Mistassini l'an passé, dans la rivière à Chamouchouane, il y en monte pratiquement le double. Mm-hmm. C'est ça. 3800? Vois-tu, 1400, 2800. Oh boy, excuse-moi, là. Aïe! Là, on est encore au pied de la cinquième chute dans la rivière Mistassini. De toute façon, toutes nos rivières, toutes nos fosses sont sur notre site Internet, là, à la fin. Là, on avait une rivière, la photo précédente, c'était moi qui pêchais à la deuxième chute sur la rivière Mistassini. Ça, c'est moi. Parce que moi, je participe au tirage au sort. Il y a des années que je sors 395e. Il y a d'autres années que je sors suffisamment à un rang adéquat pour être capable de faire des réservations, moi aussi. Tombe pas dans le courant. Là, je pêche à la deuxième chute. Là. Tombe pas dans le courant. Bon, ça a l'air pire que c'est, là. C'est l'angle de la caméra. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le cran serré dans la rivière Métamétchouane, vu de la falaise de l'autre côté de la rivière. Puis là, nous autres, on pêche à partir de la plage qu'on voit à droite de la photo, mais on arrive par la gauche. Fait que sur la Métamétchouane, les trois ou quatre fosses qu'on pêche, faut traverser toutes les. À chaque endroit, il faut traverser les pêcheurs l'autre côté. Parce que les fosses se pêchent toutes de l'autre bord. Alors, à chacun de ces endroits-là, bien d'abord, il faut descendre en bas, là, dans le fond du trou, pour monter à la fin de la journée aussi. Il ne faut pas oublier ça, là. Ces endroits-là sont déconseillés aux personnes qui souffrent de problèmes cardio-respiratoires ou musculo-squelettiques, là, parce que c'est pas évident de remonter là à la fin de la journée. Fait qu'on descend en bas, on a des embarcations, on fournit les vestes de sauvetage, c'est des vestes de rafting, là, à toute épreuve, au cas qu'il arriverait quoi que ce soit. Puis là, on traverse les pêcheurs l'autre bord, on leur laisse un radio-émetteur pour pouvoir communiquer avec notre personnel pendant la journée s'il arrive quoi que ce soit. Puis là, on voit même un pêcheur là, sur le bord qui est en train de pêcher. Là. On a ça, René qui rajoute un petit commentaire supplémentaire par rapport à la deuxième chute de la rivière Mistassini. Il dit que c'est spectaculaire parce qu'on a la chance de pouvoir voir se lancer dans les rapides, là, les Wananish quand ils se passent par là. Oui, puis l'endroit où elle monte dans la chute, là, elle saute devant nous, quasiment à nos pieds. Fait que c'est assez dur sur la pression sanguine, mettons. On fait de l'hypertension un peu quand on pêche, là. Ça, c'est la cinquième chute, là. Comme on voit, ça, c'est une partie de la chute. C'est du côté où on pêche. Il y a une île au centre de la rivière. Il y a une chute du même genre de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est justement là qu'est notre passe migratoire. Ça, c'est encore la deuxième chute. Puis justement, pour illustrer le commentaire à René Dion, là, on voit le pêcheur complètement à gauche. Hey boy! On voit le pêcheur sur les roches complètement à gauche au pied de la chute, là. Tu le vois-tu? Oui. Il est juste à côté de ton menton. Bon, ben tu vois, là, la toute petite chute qui jette devant lui, là. C'est là que la Wananish passe toute. Holy shit, OK. Puis là, la Wananish, elle se tient dans le petit pot, là, qui est derrière la grosse roche qu'on voit devant le pêcheur dans l'eau, là. C'est toute là qu'elle est. C'est là qu'elle vient faire sa baveuse. Quand t'en faire une là, c'est marqué attache ta tuque avec de la broche. Ouais. Parce qu'elle, le réflexe qu'elle a, là, c'est de prendre le bouillon, là. Fait que là, tu pars à la course.
Il y a des Ouais, spots ben qui là, vont tu pas mal pars mettre là, tu brouillon pars à la aussi. course par en bas. Tu n'as pas le choix, tu pars à la course par en bas. C'est pas 300 verges de backing que tu as besoin, c'est 700 verges. Non, mais le rapide finit pas loin, là, tu OK. sais. Mais quand René parlait tantôt, puis tu vois les Wallonistes sauter à tes pieds, là, ben, on a une parfaite illustration de ça, là. La petite chute, là, qui est devant le pêcheur, c'est là qu'elle monte toute. Ben, Il y a des on a journées, là, c'est William qui sans arrêt. rajoute un coup, là. William Lacroix qui dit, les Wallonish nous rentrent dedans dans ce coin-là. Ben, c'est ça. C'est une histoire de pêcheur. Non, mais c'est une façon de parler, mais c'est ça pareil. Là, on voit encore une image là, à plus grande échelle de la deuxième chute sur la Mistassini. T'sais, on voit que c'est des grosses rivières, hein? C'est quelques à plusieurs centaines de mètres de largeur, là. Yes. Hey, le temps file. Je dois me lever très tôt demain matin. Donc, on va finir avec. M'excuserai, je ne veux pas dire de gros mots, là, mais on va finir avec un peu de fish porn pour tout le monde, pour plaire à, pour vous faire un petit cadeau. Ouais, qu'est-ce que c'est pas ça? On va changer d'idée de toute façon. On va changer de place. Hey, vous voulez avoir une petite idée là, de ce qui peut être rencontré sur cette rivière-là, là? Celle-là, vous risquez de la reconnaître. Hein? On a notre invité avec une de ses belles prises. Ouais, ça c'est au cran serré, c'est à Métabetchouan. Un poisson frais rentré, là, tu sais, ça, c'est un poisson qui est rentré dans les derniers jours. Puis, écoute, après le combat là, qu'il m'a donné, ben, regarde, il méritait de retourner à l'eau, hein, tout simplement, là. Ah, c'est clair. Ensuite. Moi, là, moi, Vincent, qu'il en ait trop, qu'il en ait pas assez, qu'il en ait trop, je suis pas capable de tuer ces beaux poissons-là. Je suis plus capable de tuer ça, j'ai trop travaillé pour ça. Ça, c'en est une. Ça, c'est encore moins, là, à une autre fosse sur la rivière Métabetchouane, qui est le remous des Ouellettes. Ça, c'en est une. C'est un boc, là, qui approche les 10 livres. On peut le voir. Regardez la grosseur de la dipeuse, là. Ça, c'est un beau gros saumon, ça. C'est un beau saumon, ça. Ça, c'est un client de Trois-Rivières, un monsieur Fortin, si je me rappelle bien. Puis, cette photo-là, c'est prise à l'embouchure de la rivière du Cran, dans la haute Achamouchouane. On voit le derrière du fréteur, là, à droite. Yes. Et puis, un petit clin d'œil à une dame qui fait beaucoup aussi pour la pêche à la mouche. Joanie de la Sablonnière. Ça, c'est pris à l'embouchure de la petite rivière au saumon, qui est un genre de gros ruisseau, dans la haute Achamouchouane encore. Joanie était venue avec Sabrina Burns il y a quelques années pour un reportage pour la revue Destination Pêche à la Mouche. Il me semblait Il que la était photo me venu, disait là, quelque chose. il était venu passer quelques jours ici, puis il avait fait le tour de toutes nos rivières, là. Ça, c'est une des nombreuses captures qu'ils ont faites, là. Hey, sérieux? Puis là, hey, Vincent, si tu permets, là, je ne sais pas si on voit, là, mais si tu veux me ramener la photo, si c'est possible. Ben oui, je peux te ramener un instant. Tiens. Bon, les pêcheurs qui aiment ça, pêcher à deux mains, regardez, là. À pêcher à spé. Bon, mais Alors, là, quand on voit la largeur de la rivière, on s'imagine facilement qu'on peut pêcher à spé, hein? il y a certains secteurs, on voyait juste effectivement là, le décor qui pouvait nous dire qu'on pouvait effectivement là, pêcher sur de très longues distances. Donc, Ouais, puis tu sais, c'est pas nécessaire d'être obligé de pêcher à de très longues distances pour pêcher à la spé ou à la switch. Ce qui est intéressant avec ces grands cannes-là, c'est que tu doubles ou tu triples ton plaisir quand tu as un poisson au bout de ça, en autant évidemment que tu pêches pas avec une 9 ou une 10, là. Tu pêches avec une 5 ou une 6. exact. On a Benoît Vézina qui nous dit magnifique intervention et bonne explication. Merci Marc, merci Vincent. Très belle soirée, encore une réussite. On se revoit la semaine prochaine. Bye les boys. Ben, merci beaucoup, Merci Monsieur Benoît Vézina. Ça fait d'être là avec plaisir. nous. Merci Benoît d'être là avec nous depuis plusieurs semaines, effectivement. Merci beaucoup Marc pour tant de générosité ce soir, encore une fois. On a défoncé l'heure, puis je voulais. Quand je l'ai passé en entrevue pour préparer l'entrevue radio, là, on s'est échappé, puis on a passé l'avant-midi à jaser. J'ai pas passé le tiers des questions que je voulais poser. Ils ont tellement plein de beaux projets. Ils ont tellement de travail de fait, justement pour la Moinaniche. Puis je te laisserai quand même, là.
quelques instants juste pour plugger, parce que là, on a parlé de la Wananiche, mais la corporation a plus qu'une mission au-delà de la Wananiche. Et là aussi, vraiment, là, la mission pour la pêche au doré, puis la mission de la pêche sur la glace. Je te laisserai peut-être un petit mot de la fin même pour placer ces activités-là. Et, c'est le lac Saint-Jean, c'est reconnu aussi. C'est un très, très bon lac à doré. Souvent, les pêcheurs nous disent il y en a trois pieds d'épais dans le fond. Là, c'est une expression que mais il n'est pas gros. En règle générale, par contre, il est plutôt petit ici. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais là, on débute une nouvelle vague là, de projets de recherche et de développement des connaissances scientifiques, justement axés sur le doré, parce qu'on a pas mal fait le tour de l'éperlan et de la Wananiche là, à date. La grosse nouvelle, là, c'est que l'hiver prochain, en 2022, on aménage 25 autres frayères pour l'éperlan dans le lac, dans le même secteur que la phase 1. Fait que là, on va en avoir 50 des frayères. Mais ça va prendre des pêcheurs pour prendre cette Wananiche-là. Sérieux, là? Cette année, c'est pas possible parce que j'ai pas participé, mais tu m'as sérieusement donné le goût de participer au concours pour l'année prochaine. Gang, comme je le disais en entrée de jeu aussi, on peut plus se voir depuis un bout de temps. Les activités de plein air recommencent. Les cours de pêche à la mouche avec Spirit ont repris. Les groupes sont plus restreints, malheureusement. Je tiens ça pour l'instant à 6 personnes par groupe. Normalement, je montais jusqu'à 10, mais parce que j'avais quelqu'un aussi qui venait donner le cours avec moi. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais une façon de vous faire entendre, c'est d'abuser de vos pouces en l'air, de vos cœurs, de vos j'adore sur Facebook ou sur YouTube. YouTube, faites-le une fois, je pense que c'est suffisant. Mais pour Facebook, c'est un peu l'équivalent d'un applaudissement. Gênez-vous pas pour taper d'aplomb sur votre clavier, sur votre cellulaire. Facebook va adorer et je ne dirai pas non. Moi non plus, bien sûr, c'est une façon d'apprécier. Et si vous jugez que vous avez des amis, des connaissances qui peuvent apprécier, déguster ce live, même s'ils ne sont plus en live, de le voir en différé, partagez-les, taguez-les dans les commentaires. Je suis certain qu'il y a plein d'informations que Marc nous a transmises aujourd'hui qui peuvent leur être utiles ou du moins allumer de l'intérêt et faire peut-être quoi? Que l'année prochaine, tu aurais 600 inscriptions au lieu de 500? Ben moi, écoute, c'est sûr que plus il y a de monde, plus il y a de monde déçu aussi. Là, moi, je veux dire, tu sais, je ne sais pas nécessairement d'avoir 1000 des inscriptions parce que je sais que plus il y a de monde qui s'inscrit, plus il y a de monde déçu, là, tu sais. Ça vous donnera peut-être des petits arguments de plus pour essayer de négocier puis d'ouvrir quelques secteurs supplémentaires. On ne sait jamais. Oui, parce que parce qu'il y a quand même quelques endroits potentiels, là. Puis, tu sais, on travaille déjà là-dessus, là, présentement. Là. Oui. Je sais que tu m'avais dit qu'il ne fallait pas aller trop en profondeur sur ce sujet-là, mais merci d'avoir juste titillé le titillon en disant qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. Il y a eu une question auquel on n'a pas répondu tout à l'heure puis qui me revient rapidement. Ardillon sans Ardillon, on peut les deux sur la rivière, c'est pas un problème? De toute façon, à la quantité de poissons qu'on a présentement, là, on n'a pas besoin de se soucier de ça, je vous dirais bien. Il y a une surabondance, il en reste trop dans les rivières. Là, puis, on va peut-être payer pour ça dans quelques années. Là. Fait qu'on n'a pas nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé présentement dans le contexte actuel de se soucier de ça, Ardillon par Ardillon, écrasé ou pas, là, tu sais. OK. Fait que Marc, c'est encore une fois, un énorme merci pour ta présence ce soir. Super apprécié. Je pense qu'on se fait un rendez-vous l'année prochaine, au minimum. Si jamais tu veux venir visiter cet été, là, puis si c'est possible de se déplacer, on prendra rendez-vous, je te ferai faire le tour. Ça va me faire plaisir. On fera quelques photos puis on organisera quelques affaires pour nourrir encore plus l'année prochaine quand on s'en fera ça. Parce qu'il y aura du nouveau monde qui voudront écouter. C'est pas tout le monde qui a pu venir jeter un coup d'œil là-dessus. Là. J'ai pas la prétention de dire que tout le monde écoute Spirit. Je rappelle à tes auditeurs là, que tous les détails, là, toutes les informations, toutes les questions qui peuvent se poser, on travaille sur le site Internet depuis 2008. Ils devraient trouver les réponses sur le site Internet. Les instructions pour les pêcheurs, à quel endroit les rendez-vous, à quelle heure, les mouches recommandées, les bonnes mouches. Il y a même des photos de nos rivières et de nos fosses. Il y a tout là-dessus. Super.
Fait que sur ce n'est qu'un au revoir. C'est un rendez-vous pour déjà l'année prochaine, assurément. Merci beaucoup et gang. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je prends congé ou pas. Il n'y a pas d'invité déjà défini, mais je travaille sur quelque chose. Je vous tiens au courant. Donc, bonne semaine, bonne ouverture pour ceux qui iront pêcher en fin de semaine. Ceux qui allaient pêcher en fin de semaine, vous avez le droit de me taquiner. Là, envoyez-moi des photos. Là, venez poster ça sur Spirit, là, juste pour me taquiner et pour me donner encore plus le goût d'y aller la semaine prochaine quand je leur envoyais à garderie pendant ce temps-là. Fait que, Marc, à très bientôt. J'en doute même pas. Bonsoir, Vincent, puis bonsoir aussi à tous tes auditeurs. Yes. Salut, là. Bye.